Owen! Owen! Salut. Salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Peut-être que je tombe mal? Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf? Une mission en vue? Si on veut. Si on veut. Tu sais quoi? Et si on évitait de parler d'Isaac pendant quelques instants? Owen. C'est quand la dernière fois que t'es venu? Regarde-moi ça. Admire un peu. Qu'est-ce que t'as fait? Pas grand-chose. J'ai arraché quelques lianes, j'ai repeint deux, trois murs. Oh. Une seconde. Alice est ici? En balade avec Mel. Tout va bien pour vous? La vie de couple et tout? Ouais. Ouais, c'est pas mal, enfin. Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah, sous tes airs de dur à cuire. Un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. Alors, comme ça je te a l'air disais... compliqué. Touche pas à ça. Abigail. Tu fais des expériences? Pas loin. Je fais de l'agneau de luxe. Si t'es gentil, je t'entendrai. Quelle chance. C'est moi ou tu t'entraînes en secret au tir à l'arc? C'est peut-être toi. Ça explique la cible. Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je fais quoi? Ok. Tu vois les cibles? Ouais. Touche-en un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. Et c'est parti les amis, bienvenue pour l'épisode 18. Edin. Ouais, je suis fier de toi. De notre aventure. Oh, pas mal. Sur The Last of Us. Oh là 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 là, mais quelle puissance. Quelle puissance au tir à l'arc. 5, ça fait la moitié, Abby. Oh là là. Encore deux, tu me vas. C'est cool, hein. Je suis vraiment super. Alors, fier. Est-ce qu'il n'y en a pas une dernière qui traîne quelque part que j'aurais raté? Regardez, il y en a une en plein milieu ici. Feu! Une dernière et c'est bon. Ne loupe pas ton coup. Une dernière et c'est bon. Vous voyez une dernière cible, vous? Il doit y avoir une toute dernière cible, peut-être là-haut. Oui, elle est là! Oh là là! Merde, t'as réussi, t'as battu le record! Record battu! Ah, il me reste du temps, non? 10 secondes. Allez, c'est à nous. Je sais même pas, je vois même pas où est-ce qu'il y aurait d'autres cibles de toute façon. 4, 3, 2, 1. J'ai réussi. Du premier coup. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial. Elle est super forte. Arrête et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Non, elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok, calme-toi. Bon, il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, c'est en haut. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non.
Après toi. C'est quoi tout ça? C'est festif. T'as pas encore tout vu. Assieds-toi. Admire un peu cette vue. Et maintenant, goûte-moi ça. Alors ? La vue est chouette. Oh, t'exagères. Rabat-joie. Tu veux que je mente ? Ouais, je préférerais. Elle est à fond sur les trucs de Noël et... Ça fait un an, elle et moi. Alors... Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Eh ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu le mérites pas. Quoi? La chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Qui, moi? Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se J'ai lève... trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ces types ont eu de ces nouvelles récemment? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord? Tu l'as dit aux autres? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Il sait ce que Joël a fait. Hé. Hey. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Bien sûr. Ah!
Le péché est en lui. Il se cache. Libère-les. Ainsi, ils pourront connaître. Non. Yara. Où se trouve l'autre infidèle? Brisez-lui les ailes. Faites gaffe. Yeah.
sont morts depuis peu. Et un autre chemin? Si c'était le cas, on passerait pas par ici. Allez, lève. Occupe-toi. Pense-toi. Allez-y. Ah, je suis là. Ok, super. Bon, bah écoutez, attendez, j'étais trop à fond dans le truc. Et là, tu le gamin. J'y crois pas, toi. J'étais beaucoup trop à fond. Je n'y crois pas. Allez, viens par là, tu vas voir. Je te laisserai pas les toucher. Oh. Voilà. Wouah, elle a explosé les caisses à main nue. Allez, 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 allez. On va la mater. Wow. Tiens, tu m'en diras des nouvelles. Oh purée, elle est toujours pas morte, c'est pas possible. Non, attends. C'est bon. Ça va, vous? Oui. Bon, eh bien nous voici capturés par les Séraphites, capturés par les Scar. Je suppose que nous sommes sur leur île. J'avoue que ça s'est enchaîné quand même très très vite là. Tout s'est enchaîné vraiment très très vite. On a fait la rencontre de Yara et de... Ben, je sais pas qui c'est lui en fait. Qui apparemment sont des infidèles. Donc c'est très étonnant des Scar qui s'affrontent entre eux. On va en savoir à mon avis un peu plus juste après. La mise en scène était incroyable en tout cas. Allez-y. Et ton bras, ça va? Je maîtrise la situation. Ok. Prenez tout ce qui peut servir. Ne touche pas à ça, c'est de l'ancien monde. Sérieux? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? C'est la première fois que je vois des Scars s'affronter. Des Séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rasé la tête. Ok, me dis rien. Franchement, ça m'est égal. Bon, alors avec ce qu'on a récupéré, attends, on va prendre deux petites secondes pour voir si on a de quoi améliorer nos armes. Je ne sais pas, 133, oui, largement... On est largement en capacité d'améliorer certaines choses. Rafale de tir, stabilité. Pourquoi pas capacité? On est sur la stabilité également du fusil à pompe. C'est vrai que je possède, j'avais déjà oublié, mais je possède le fusil à pompe. Alors voilà, moi je pense que je voulais surtout améliorer celle-là. Il y avait aussi moyen de mettre des... potentiellement des dégâts là-dedans. Avec une petite lunette x4. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais. Allez, on part sur l'amélioration de cette arme qui ne ressemble absolument à rien quand on lui enlève son canon, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, oui, la mise en scène était tellement prenante que franchement, j'ai pas dit un mot. Hein, j'ai pas dit un mot, je me suis laissé porter. Ah, j'ai pas assez pour la lunette x4. Alors, cadence de tir, non, stabilité, précision, recul. On va partir sur la stabilité également de cette arme qui peut équiper un silencieux. Donc, la plupart du temps, je ratais mes balles à... Parce que c'est vrai que la stabilité des armes dans ce jeu sont pas forcément très précise, donc j'espère que ça me permettra d'éviter un petit peu les tirs qui partaient parfois dans le vide. Voilà, bon. Ah bah tiens, regarde, j'avais pas vu, mais...
Ok, maintenant on est bon là-dessus. Et du coup sur l'autre flingue. Ok. Bon. Je vous avoue que moi depuis un moment je suis quand même très curieux hein, de savoir comment évoluent les Scar et les. Bon donc apparemment les Séraphites dans cet univers, donc j'ai envie d'en savoir un peu plus là. Mais quand même ce qu'ils ont fait à la jeune fille c'est quand même assez, assez violent. Hein. Enfin déjà on a vu les gens qu'ils ont pendus, on allait malheureusement genre, subir le même sort. Mais lorsqu'ils se sont emparés de Yara et qu'ils l'ont appelé d'infidèle, ils lui ont cassé le bras à coups de marteau. C'est quand même... Alors, amélioration d'armes à feu. On va jeter un coup d'œil également. Sur... Ah bah j'ai très peu de pilules mais qu'est-ce que je peux prendre? Confection de cartouches incendiaires. Pour le fusil à pompe qui enflamme les ennemis dans un cône étendu et leur inflige des dégâts considérables. Ensuite on a les munitions de pistolet de chasse. Ah c'est bien ça, on peut refabriquer des balles quoi. Vitesse de déplacement en visant, cartouche incendiaire supplémentaire. Ok. Ah c'est cool, Je... Écoutez, on peut fabriquer des balles. Ça on pouvait pas spécialement le faire avec... avec Ellie. Regardez, je peux fabriquer des balles. Alors on va se faire quand même un kit de soins. J'aurais bien fait un silencieux mais pas possible. Réparer mon arme, pour l'instant c'est pas nécessaire. 1 sur 1, oui. Des munitions de fusil à pompe, oui. Mais attendez d'ailleurs, il est où mon fusil à pompe? Ah il est là, ah, mais j'ai plein de balles. Attendez, si je veux... Là j'ai les munitions incendiaires, mais si je veux prendre des munitions classiques, voilà. On va jouer un petit peu au fusil à pompe. Je pense que j'ai le nombre maximal de balles, donc... On va s'en séparer de quelques-unes. Alors, que s'est-il passé? J'espère que tu vas bien, la trêve est terminée et on nous a demandé de rentrer pour recevoir nos nouvelles affectations. J'ai envoyé deux groupes te chercher, mais sans succès. Si tu trouves ce mot, viens nous retrouver. Mort Oscar, Matt. Alors attendez, on n'est peut-être pas sur l'île d'Escar, du coup, s'il y a ce genre d'informations. Ce genre de mot, mort Oscar, ça m'étonnerait que ça en soit vraiment dans leur base. Bah tiens, regardez, vous voyez, on a trop de balles de pompe là. Alors on est dans un garage. Très bien. Où sont partis les gamins là? Ok, ils sont là. Ils étaient pas bien loin finalement. Je prends le temps quand même de jeter un coup. Un garage c'est quand même sympa. Hein. Je pense qu'il y a moyen, voilà, de récupérer bon nombre de composants. De petites vis pour les armes. C'est clairement le genre d'endroit qu'on est content de trouver. Un kit de soins. Ah bah ça c'est super. Là y a rien. Ah mais j'ai vraiment... Même ça j'ai trop de balles. Je pensais pas que j'étais à ce stade là de... Ah il reste un tiroir. À ce stade là d'économie de munitions. Vous voyez, je pensais même que j'étais un peu dans le négatif en termes de balles et tout. Mais apparemment on est très bien. Et ici, il n'y a rien. Bon. Ouais, ma pauvre, t'as pas l'air bien en point. Hein. Ah, ça c'est parfait. Moi qui voulais faire un silencieux. Non, ah, il manque toujours un petit tissu, hein, dommage. Et voilà, bon alors là, on est refait pour un bon moment. Bon du coup, attendez, on va plutôt partir là-dessus. On sortira le pompe en tas d'attaque au... On arrive bientôt sur la côte. Au corps à corps. Encore un peu. Le pompe. Restez derrière le pompe. C'est bon, tout va bien. En cas d'attaque au corps à corps. Et là, qu'est-ce qui se passe? On me fonce dessus. Ah, mais c'est une blague. Allez, viens par là, toi. Oh. C'est quoi cette esquive qui a totalement raté? Bon, du coup, c'est le moment de réparer mon arme. Hop. Parfait. Écoutez, je voulais utiliser les balles de pompe, on m'en donne l'occasion. C'est particulièrement dangereux par ici.
Quelqu'un en bas, quelqu'un en bas, quelqu'un en bas. Ok. On va peut-être pas descendre tout de suite. Encore des balles de pompe, j'ai bien fait de m'en servir. Vous voulez descendre? Non, attendez. Oula, c'était limite ça. Ah d'accord, pas trop le choix en vrai. Fais attention. Eh ben. Eh oh, 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 oh. Tu peux mourir s'il te plaît? Ça va là derrière? Ça se passe tranquille? Ça se passe tranquille. Tout va bien. Et maintenant. Par contre, tu peux bouger s'il te plaît? Merci. Alors, on va quand même prendre le temps de fouiller un petit peu. Bon, je voulais faire ça discret, mais apparemment... Enfin, non, c'est même pas apparemment, c'est juste que j'ai oublié d'éteindre ma lumière. Donc, je me suis totalement fait griller à peine après avoir touché le sol. Ok, parfait. Non, non, toujours pas. Voilà. Et maintenant, par contre, ça y est, je peux faire mon silencieux. En vrai, j'aurais pu faire autrement même. J'aurais pu lancer une petite bouteille. Et ensuite faire péter tout ce beau monde qui aurait été rameuté avec un explosif. Ou j'aurais pu être silencieux, mais bon. Vous le savez à force, c'est pas vraiment mon style principal. Je vous fais passer et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. À ton tour. Attention au bras. Allez, venez par là! Pourquoi j'arrive pas à recharger? Bon, tant pis. Vas-y, vas-y. Oh, 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 tu sors d'où, toi? D'où tu sors? Ah, d'accord! Quand vous voulez, les gars! Et dire que je faisais confiance à Descartes. Ok. Ok. Et là c'est le moment où ça va commencer à dégénérer. Il faut vraiment que j'arrive à choper. Voilà. Ok. Ok. Il est en feu. Salut toi. Ah, je me prends du poison de je sais pas qui. Merci.
Accroche-toi bien, moi. Ok. Mon bras. Je sais. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Doucement. Inspire. Expire. Essaie les portes. Et vérifie qu'il n'y a pas d'infectés. Ça s'ouvre pas. Essaie les autres. Alors ? Non ! Ok, on voit la grande roue, on n'est pas très loin. Ici ! Allez, rentrons avant de se faire repérer. La porte. Aide-moi à enlever ça. Il faut juste le remettre en place. Ok. Tu sais comment t'y prendre ? Découpe ça en bandes. Allonge-toi. Je vais bouger ton bras, ok ? Si. T'es prête ? Comment tu t'appelles ? Abby. Merci de m'avoir libérée. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. C'est ça. Eh ben, quelle histoire! Alors là, je vous avoue que... Non. Je m'attendais absolument pas à vivre une séquence comme celle-ci. Assez étonnant, hein. Elle qui était d'ailleurs si catégorique sur les Scars, sur les Séraphites, de la voir finalement les aider, mais bon, ce n'est que gain de cause, enfin gain de cause, comment dire, on leur devait finalement. Puisqu'après ce qu'on a vécu, je pense qu'on serait mort sans leur intervention. En tout cas, les amis, je pense qu'on va également s'arrêter ici, parce que c'était tellement violent, alors ça sera un épisode un peu plus court, mais que tellement intense, vous voyez, que je préfère découper et tout simplement me poser un petit peu avant la suite de cette aventure. J'espère écouter que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, très très sombre, très très fort également. Un vrai plaisir. On se retrouve en tout cas rapidement pour la suite de cette aventure. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.